Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour Homefront The Revolution. Et donc, on s'est arrêté là, on devait sauver ce pauvre garçon. Enfin, ces pauvres garçons. Dites-moi ce qui se passe là où vous êtes, bordel. Ici Lorna, on est encerclés. Il y a un groupe de soldats qui essaie de nous encercler de partout. Dieu merci! Les Norco bouclent toutes les issues! Va falloir se battre pour sortir! Ne t'inquiète! Je vous aide! Ok, vas-y, moi je vais tuer lui. J'arrive. S'il vous plaît, il faut venir nous aider. Oui. Je suis là, t'en fais pas. À toutes les équipes, on doit faire face à une crise majeure. Vous ne pouvez pas les arrêter. Vous les tentez et faites profiter. Vous attendez que ça se calme. La base des hommes, ça. Désolé. Oh non! J'ai loupé mon coup. Fichier. Voilà, lui il est mort. Ok, j'arrive. Je suis que ça, quoi. Jack, mes équipes sont complètement débordées. J'ai jamais vu autant de blessés. On n'arrive pas à fournir. On crève sur des brancards, Jack. Je sais, mais on peut rien faire. Ils sont à notre cul. Fais ce que tu peux. Oh, attendez, je vais prendre ça. Ok, c'est secondaire, vous le savez, mais voilà, j'ai envie de le prendre. Je sais pas comment d'ailleurs, mais j'ai envie. J'ai bloqué la moto. Bon bah écoutez, tant pis. Hein, c'est pas grave. Allons-y. Hein.
dit, on se fait massacrer ici. Je monte. Je vais me le faire. Vous en faites pas. C'est bon. Ça alors. C'est parti. Brady, on s'est fait laminer dans tous les quartiers. On a perdu des centaines d'hommes. Paris et les autres sont dans la salle de crise. Mais aucun plan ne pourra nous sauver maintenant. Je sais pas si je pourrais en supporter davantage. Je l'ai vu mourir. Il est tombé juste. Mais attendez. Genre, c'est là d'habitude. C'est plus là ? Ah non, c'est là. Excusez-moi. Tellement de nos hommes sont partis. Ah, Brady, t'es toujours avec nous ? Je sais pas comment ils font, mais les Norcos nous mettent la pâtée. J'ai la dalle. Et je veux dormir. On tiendra plus très longtemps. Doc, on a combien de blessés ? Doc ? Hé, hey, Doc ? Hein ? Combien on a de blessés ? Plus que ce qu'on peut soigner. Bien plus. On leur donne du méthanol pour la douleur. C'est tout ce qu'on a. La plupart ne survivront pas. J'y retourne, ils ont besoin de moi. Doc, Sam. Assieds-toi un instant. T'en as assez fait à ce stade, ça changera rien. La révolution est terminée. Impossible de les battre, il y a trop peu de survivants. Cette porte-là s'est refermée. Tu as opté pour la confrontation et tu as perdu. Mais j'ai toujours dit qu'il existait un autre moyen. Pacifique, lui. J'ai fait un rêve. Bah continue de rêver. Vous vous battez depuis si longtemps pour le peuple que vous ne l'écoutez plus. Mais pas moi. Ils ont pas baissé les bras, l'espoir est toujours là. On n'a plus rien, Doc. On n'a rien à leur offrir. Allez debout. On n'a pas encore perdu. Simpson et les Norcos nous mènent la vie dure, je l'admets, ouais. Mais on est encore là. Il faut riposter. Dana, laisse tomber. Je laisserai jamais tomber. Je peux pas, c'est impossible. Et je compte bien le faire savoir aux Norcos et à cette raclure de Simpson. Écoutez, peut-être qu'on devrait se faire discret un moment, non ? Ils penseront qu'ils nous ont eus comme ça. Ça prendra du temps, mais la résistance renaîtra. Si on attend, c'est foutu. Il faut faire un coup spectaculaire et maintenant. Comment ça ? On fait passer le maire à l'antenne et on lui fait subir tout ce qu'il a fait à Walker. Ouais, c'est assez tentant. Humilier ce fils de pute de Simpson à la télé. Les gens sauraient qu'on est toujours là. Des nouvelles recrues afflueraient. Comment on va se débrouiller ?
À part nous, qui seraient assez barrés pour attaquer l'hôtel de ville. Le quartier pénitentiaire regorge de tarés qui crèvent d'envie de casser du Norco. Je connais du monde là-bas. Vous allez reproduire les mêmes erreurs. Vous n'apprendrez tout jamais. Crawford disait qu'il fallait tirer des leçons du passé. Au final, il a rejoint les rangs des Norco. Si la lutte est une erreur, je compte bien continuer à la commettre. C'est tout ce que je sais faire, bordel. Je savais que j'arriverais à te remotiver. Simpson va pas comprendre ce qui lui arrive ou alors trop tard. Viens, Dana. Notre heure de gloire a sonné. Vous deux, vous vous occupez de la zone interdite pendant que je rassemble les survivants. Tout n'est pas perdu. Ethan, si on veut recruter une équipe pour attaquer la mairie, il faut trouver un moyen de pénétrer dans la zone interdite. La sécurité est renforcée, mais des prisonniers auraient récemment réussi à s'en échapper pour rejoindre la vieille ville. Si tu découvres comment ils ont fait, on pourrait peut-être entrer de la même manière qu'ils en sont sortis. Dirige-toi vers la vieille ville, je vais préparer des armes pour nos nouvelles recrues. Regardez, ce serait... Ok. Est-ce que j'ai assez de fric pour une Amélio? Dirige-toi vers la vieille ville, Ethan. Je te tiens au courant. J'ai appris à tirer avec un flingue avant de marcher. Mais ma mémoire joue peut-être des tours. Non. Bon. Bien, c'est pas grave. À plus tard. Va faire des dégâts. Merci. Du coup... Ah bah c'est là-bas. Allez, Brady, par ici. Ouais, ouais, ouais. La vieille ville, tout ça... La vieille ville est par ici. Soyez prudent, Brady. Merci. On peut pas se permettre de... Eh ben allons-y. Ah oui, bah attendez. J'ai pas vendu mes objets de valeur. Eh oui. Hop. C'est fou ça. Un objet revendu gratos. Alors. Dana. Ethan, c'est Dana. Rends-toi à la prison. Les prisonniers ont sans doute emprunté un tunnel pour s'échapper. Vois si tu trouves où ils débouchent. Ok. Ben, j'y vais. Tout civil contrevenant tentant d'échapper aux soldats de la paix sera abattu. On est où en fait? Je suis curieux de savoir. Ok, côté droit. Donc on a fait ça, on a fait ça. Donc il nous reste ça et ça. Après ça, ok. Eh bien, c'est parti, allons-y. Regarde autour de toi, essaie de trouver la sortie d'un tunnel. Sortie d'un tunnel. Ah ah. Pourquoi la musique s'excite comme ça? Aïe, respect, je cherche un tunnel. De quoi? Le tunnel là-dedans. On sait jamais, hein. L'argent? Ah, bien sûr. Oh merde. Ils sont vraiment pés de couilleux, hein. Du coup, je suis tombé. Un abruti. Attendez. Ah, remonter. Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc, genre, sur les côtés. Ah merde, c'est pas là. C'était là. Et genre à droite, là, il y avait un truc pour monter. Alors, je sais pas où ça mène, hein, mais... Ça mène ici.
la radio. Je suis sûr. Et de là, c'est de pouvoir l'avoir plus facilement. Oh, il est super loin. Hein. Ça ne marche pas, comme d'habitude, quoi. Ok, bah je sais pas trop, hein. Voilà. On va falloir trouver aussi, du coup. Mais on n'y est pour rien, ça doit faire un jour qu'ils sont morts. Les prisonniers sont peut-être sortis quelque part par là. Et c'est bon, j'ai trop été inquiet. J'ai pris tellement cher avec le sniper. Ethan, je pense que les prisonniers sont sortis par ici. Ils doivent savoir comment ouvrir cette porte sécurisée. Merde, j'espère que ce soit un simple tunnel ou quelque chose qu'on pourrait utiliser. Bon, tu vas devoir suivre leurs traces, découvrir comment ils ont ouvert cette porte. S'ils sont en fuite, ils chercheront des endroits où se cacher. Ils pourraient être retranchés dans une de nos planques. Tu ferais bien de télécharger les coordonnées de l'émetteur. Bonne chasse, Ethan. Mais super! Tout ça pour ça. Ok. Ah bah c'est pas grave. Faisons-nous péter par les snipers. Hein? Tellement chouette. Alors. Aller où du coup? 132 mètres. Ok. Bien, allons-y. Le problème, c'est que ça va être dur. Parce que rien n'est nettoyé. Ouais. Avait un centre de diffusion radio dans un bâtiment proche de sa position. Oh, j'ai pris mes sévères, quoi. Alors. Ah bah tu... Attendez. Hein. Pendant qu'on est là. Alors, fusil d'assaut, on va l'améliorer. Quoique. Bah, si. Allez, améliorons à fond. Et ça va falloir que j'améliore. C'est 2000. Ok. C'est bon. Okay, c'est là-bas. Bon, ça va être plus simple en partant de par là, je pense. C'est la nuit, ça devrait être un peu plus évident, du moins j'espère. Sur moi ! Allez, allez, allez ! Mais arrêtez de faire les cons ! J'ai pas fini, ouais. Ok, c'est là-bas. Brady, cet immeuble abrite l'émetteur de l'APC de la vieille ville. Si vous parvenez à pirater le système, on pourra surveiller l'activité de l'APC dans toute la zone. Ça doit être par là. Aïe. Oh, ça va être chiant. Si je veux pas gruger, genre comme ça, là. Au lieu de se faire chier, là. Bon, c'est cool sinon, mais on va s'emmerder. Voilà. Ah merde. Ceci est une zone rouge. La présence civile est strictement... Ah merde. Évidemment. Ah oui, je sais, ça y va par là, mais ah oui, non, mais c'est bon. J'ai rien dit. C'est parfait. Allez, on pirate.
J'envoie les coordonnées de planque potentielles sur ton téléphone. Vois si les prisonniers sont retranchés dans l'une d'elles. Ok. Eh bien... Quoi les planques que tu dis? C'est là et de l'autre côté. Ouais. Ça va être tendu. Alors. Au pire, c'est pas grave. Oh! J'avais pas vu, mais on a gagné des points. Du coup, je prends n'importe lequel, en fait, je m'en fous. Voilà. Les zones rouges sont strictement réglementées et interdites aux civils. Alors, comment on descend sans mourir? Hein? Toujours ça. Ah bah, comme ça. Évitant. Facile. Ok, donc fallait là-bas. Je vais prendre ici. Ah. Tu touches au but, Ethan. Sois prudent. Il faut éviter d'effrayer les prisonniers s'ils se cachent ici. T'inquiète, en pleine nuit. Je risque pas de les effrayer, hein. Apparemment, les prisonniers étaient là. Chose les a obligés à partir. Ils vont peut-être à un endroit bien précis. Je me demande s'ils ont un plan pour s'enfuir du Philly. On ferait bien de les rattraper avant qu'ils se fassent la malle. Ouais. Eh ben allons-y. Pourquoi il y a un sniper là-haut alors que c'est ma planque? What the fuck? C'est bien ma planque pourtant ça, non? Non, c'est pas ma planque? Je sais pas. Bon bref. On va aller au point suivant. Par où passer, je ne sais pas, peut-être par là. Tiens. Essayons. Hein, oh. C'est tellement cool tous les... tout le bordel qu'il y a. Cours Forest. Ne t'arrête pas. Ah, peut-être ce sera là-dedans. Brady, cet immeuble surplombe l'entrée de la zone interdite. Si on parvient à y installer un poste d'observation, on pourra surveiller les allées et venues des Norcos dans la zone. Alors attends, moi je vais tuer lui. Écoutez-moi ici, Parrish. J'ai un problème à vous signaler. Une planque est assiégée. Si quelqu'un peut aider, faites vite. Ça va dire je m'en fous complètement. Hein? De ta planque assiégée. Un nouvel abri potentiel droit devant. Regarde si les prisonniers s'y trouvent pas. Ouais, ouais. Alors attends, c'est la merde là. Je vais regarder. Les prisonniers sont venus ici aussi. J'espère qu'ils sont pas trop loin. Continue de chercher, Ethan, il faut découvrir ce qu'ils savent. On se casse. J'ai pas le temps. Désolé. Les Norcos s'intéressent de très près à l'usine de traitement des eaux de la vieille ville. Ce doit être un maillon de leurs opérations de gazage. Prenez le bastion qu'ils y ont installé. Hein? Quel bastion? Moi je cours, hein. Je vais aller pour ton bastion après. Oh mon dieu! On va passer par là. Alors, on va utiliser un medikit et on va en prendre un. Voilà. La base. Normal. Avec. C'est là-bas. Pour aller là-bas, on va passer par là du coup. Parce que. Ailleurs, c'est la merde. Oh putain, c'est la merde partout en fait. Vite! Ah oui! Ah oui! On a bientôt exploré toutes les possibilités. J'espère que tu les trouveras dedans. La résistance, j'ai besoin d'aide. On
On est trois à s'être évadés, mais on a dû se séparer et un sniper m'a touché. Les autres attendent Brooks sur les quais dans un conteneur blanc. Il nous vend un bateau. Dites-leur de venir me chercher. Tu devrais aller les chercher sur les quais avant qu'ils trouvent un bateau. J'y vais. Oh, si loin. Pas mal cette zone là. Ah oui, l'eau qui tue. Parce que nous ne savons pas nager, bien sûr, non, forcément l'eau ça tue. Hein. Cela va de soi. Alors. Ah, est-ce que je pourrais pas passer genre. Peut-être par là, on va voir. Ah bah ouais, c'est bon, j'arrive au port. Quand on n'arrive pas. Ce prisonnier blessé a parlé d'un conteneur blanc. Tu ferais bien de vérifier. Ils sont peut-être cachés à l'intérieur. Ah, je le vois là, il est en face de moi, mais faut que je fasse sous le toit. C'est un peu loin, mais je vais voir. Hein. Sont anciens, ça peut pas être ce qu'on cherche. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, mais c'est pas le bon conteneur. Hein? Alors. Ah, il y a un blanc là-bas. Oh, oui. J'y vais! Ah, quoi que celui-là il est blanc. Ouais, mais ça marche pas, on peut pas le voir de là. Arnaque Land. À se faire celui-là. J'ai c'est celui-là, obligé. Vous êtes là, hein? Avouez. Encore d'autres cadavres. Mais eux aussi sont morts depuis un moment. J'espère que nos fuyards n'ont pas subi le même sort. Qui peut bien enfermer les prisonniers dans ces caisses et les laisser mourir? Je vois pas pourquoi les Norco feraient une chose pareille. Ah, je sais pas, moi j'ai pas trop de chance dans l'ouverture de conteneurs blancs. Voilà, j'essaye. J'ai mis 203. Rien ici, continue de chercher. Pique. Ok, donc on va faire l'autre côté du port. Bien sûr. C'est vrai qu'il y en a un là-bas. Enfin, celui-là, on l'a fait, non? Non, on l'a pas fait, celui-là. J'essaie celui-là. Oh, mon sang. Merci. Qui c'est? Je vois rien. Qui que vous soyez, merci. Je croyais qu'on allait crever là-dedans. Cet enculé de Brooks nous a enfermés et nous a laissé moisir ici. Il était censé nous trouver un bateau. Il disait que tout était prévu. Qu'est-ce qu'on a été cons. Je savais qu'il fallait se méfier d'un collabo. On a payé $1000 chacun pour finir dans ce cercueil géant. Vous êtes un résistant, hein? Nous laissez pas, ils vont nous renvoyer en prison. Je tiendrai pas un jour de plus dans ce trou. Ok, ok. Doucement. Écoutez, vous voulez bien nous aider? On a passé 3 ans dans la zone interdite, et on a eu de la chance de tenir aussi longtemps. Si vous nous trouvez un bateau, on vous donnera tout ce qu'on a. On a plus d'argent, mais Brooks nous a vendu une carte magnétique. On s'est évadé grâce à elle. J'imagine qu'elle pourrait être utile à la résistance. Je vous la donnerais bien maintenant, mais je l'ai avalée par précaution. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Et dès qu'elle ressort, elle est à vous. Trouvez-nous juste ce bateau. On en a vu un plus bas près du pont. Il faut seulement que vous vous occupiez des soldats. Et Redding, on doit retourner le chercher. On va le faire. Dès qu'on aura repris des forces, on ira le chercher. Si tu cherches un bateau, tu devrais trouver ton bonheur dans l'atelier de réparation à proximité. C'est d'ici qu'on partait en mission de ravitaillement, le long de la rivière, jusqu'à ce que les Norco interviennent. Ok. Bah allons-y. Ah là là. Truc de malade. Ah merde, y'a l'eau là. C'est vrai. Ah,
La base, l'eau partout, hein, la base, les loulous. Ah oui, il est là-bas, je le vois. Oh, énorme. J'y vais pas. Ou alors, regardez ces deux techniques. Si je fuis, je me sens très mal. En plus, il y a un gros. Oh, trop chiant, quoi. Ou alors, vous savez quoi, je prends le camp, comme ça, c'est fait. Et puis, voilà. On va pouvoir aller parce que c'est pas de la principale. Mais, voilà. Par là le truc. Ok, il savait pas trop où j'étais. On va attendre l'autre. Non, il vient pas. Ok, ben ne vient pas. Ok, il faut une moto. Ouais, ouais. Alors. Ouais, d'accord. Alors, il faut une moto. À la queue, le bleu. On s'éclate, hein. Oui, non mais tu vises à travers les rues comme d'hab quoi. Y'a pas de soucis hein. Ok. Voilà. Donc, mission. Vous savez quoi, on va faire le truc avec la moto, hein, comme ça c'est fait. Moi, ça me fait perdre un peu de temps en vidéo, donc c'est marrant. Enfin, ça m'arrange d'avoir du temps en plus, si vous voulez. Ah, le Troy. Wouah, comment elle m'a fait reculer. Où est le Troy? Bien activé, mais il est où? Je vois pas. Il est en dessous, je crois. De toute façon, il me faut des balles, tout ça. Donc, le principal... Ah bah non, il est au-dessus. What the fuck? Troy, t'es où? Il y a quoi là-dedans? Ah oui. C'est bizarre parce qu'on entend le truc genre du travail machin etc mais on le voit pas. Parce que normalement faut suivre le câble. Et le câble dit là. Ah mais vous voyez c'est obligatoire en plus. Et ben oui. Bien sûr. Une évidence même, voyez. Ici Paris, les gars. On doit faire face à un problème majeur. Une équipe de Norco a repéré une de nos planques. Des hommes à nous sont prisonniers à l'intérieur. Si quelqu'un se trouve dans la zone, c'est l'occasion de jouer au héros. Ah oui. Alors c'est pas ça le problème, c'est que... Pourquoi il y a marqué quoi sur ce point-là? Atelier de bateau. Je comprends pas pourquoi je peux pas le prendre, mais je pense qu'il faut que j'aille au bateau. Je pense tout bêtement
Bah c'est cool en fait, c'était obligatoire. Voilà. Allons-y. Genre lui il était perdu, il savait pas pourquoi. Il y a des gens comme ça, ils sont perdus. Faut pas chercher. Hop, hop, hop. Hop. J'y crois pas. Vous nous avez trouvé un bateau. Vous êtes passé au travers d'un paquet de Norco sans la moindre égratignure. Vous êtes un putain de dur à cuire, faut bien l'avouer. Ouais, impressionnant, Buddy. Je pensais pas que les chiffres molles de la Résistance en avaient autant dans le froc. Hey, un peu de respect, Floyd. T'es resté trop longtemps en contact de l'APC. T'as oublié comment on devait traiter ceux qui nous aident. J'adorerais m'asseoir et passer la journée à discuter de morale avec vous, mais faut qu'on y aille. L'APC va bien revenir un jour. J'ai envie d'être loin d'ici quand ils viendront nous chercher. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, on va y aller. Voilà la carte magnétique que je vous ai promis. Vous l'avez plus que mérité. Bonne chance, Buddy. J'espère que votre petite révolution marchera. Bon boulot, Ethan. Cette carte magnétique te donnera accès à la zone interdite. Dirige-toi vers la porte. Une fois à l'intérieur, cherche un dénommé Philippe Small. C'est une vieille connaissance. Il y a plus fiable que lui, mais il peut nous aider à recruter une équipe. J'ai les flingues, j'essaie juste de te les faire parvenir. C'est compliqué d'avancer pour le moment, mais je te rejoindrai. À bientôt. Parce que moi, c'est pas compliqué, hein. Alors, et celle-là, quoi. Là, on a munitions et tout, si on veut. C'est où, c'est au-dessus, hein. C'est ça, oui. On est à tous les coups. Ah, et voilà. Ah, c'est con, hein. Je te comprends en même temps. Là, et on va revendre tout ça. Hop. Voilà. Si vous reprendrez enfin le contrôle de cette zone, j'habitais là étant gamin. Wow. On bat les couilles. Ah, pas que ça foutre. On doit aller de l'autre côté de la ville. À une équipe de reconnaissance en mission près de ta position. On n'a pas eu de nouvelles depuis un moment. Essaie de découvrir quelle est la situation. J'ai pas le temps. Ça sera fait plus tard, t'inquiète pas. Bah... Oh putain! Oh les loulous! Oh ça pue! Ah il a... J'ai cherché la merde. Je pensais pas que c'était si bien gardé, quoi. De fou, quoi. Ouais. Non ! Oh, je suis pas mort. Je sais pas comment j'ai fait. Putain, cet endroit de ouf. Mais attendez ça, là. Oh merde. Non, mais je rigolais. Je rigolais. Je rigolais vraiment, hein. Voilà. C'était pas moi.
Ah ouais, mais non, j'ai été bien là où il fallait. C'est parce que ils sont maintenant 1 milliard, évidemment. Pour me faire chier, hein, évidemment. Cela va de soi. Surtout, je sais même plus où c'était. C'était pas genre... Ah non, pas du tout. C'était forcément là, oui. C'était là. Je me rappelle. Oh. Super, la carte a marché. J'en prends un peu, mais avance dans le tunnel, Brady. Tu devrais finir dans la zone interdite. Une fois sur place, reste sur tes gardes. La zone interdite est un gros complexe pénitentiaire. Les Norcos l'ont mise en place pour enfermer tous les gens qui se sont rebellés contre eux. Y a pas mal de monde là-dedans, et pas que des résistants. C'est là qu'ils balancent tous les criminels aussi. Vraiment dangereux, Ethan. Tu peux me croire. On dirait qu'ils s'en sont pas tous sortis. Autant que tu prennes son uniforme de prisonnier, parce que ça m'étonnerait qu'il en ait encore besoin. Tu vas devoir te fondre avec le reste des détenus si on veut que ça marche. Nous y voilà. Faut pas traîner. Rends-toi directement à la planque. C'est le dernier emplacement connu de mes associés. Et fais gaffe à ton cul, Ethan. Vous n'êtes plus dans la zone rouge, Brady. Et les Norcos ont renforcé la sécurité ici. Ne vous faites pas repérer. Si vous parvenez à gagner le soutien des prisonniers, vous aurez une chance. Alors faites ce qu'il faut pour envenimer la situation. Les gens d'ici peuvent répondre. Ber a dit qu'il n'hésiterait pas à tuer Tank cette la fois. La planque est quelque part dans la bourse. La PC a parqué tout le monde à l'intérieur et les détenus font leur propre police. Faudra qu'un des deux morts de la poussière. Maul a monté son opération ici puisque les Norcos y mettent pas les pieds. Merde, oh, merde, c'est pour dégénérer. Ça rigole plus. Recule, putain! Ok. Assieds-toi sur cette chaise. Assieds-toi! T'es qui, toi, putain? Un agent Norco? Putain de merde. Je vais te faire sauter la cervelle. Je te jure que... Vas-y, réponds. Réponds! Tu devrais pas les faire attendre. Brady? Brady, t'as établi le contact? Moore, c'est bien toi? Putain, je te croyais morte. Small, petit con. T'aimerais bien me voir morte, hein? T'as oublié ce que je t'ai dit la dernière fois? Non, non, ça roule. Je te promets. Eh ben, j'espère. Bon, écoute-moi, t'es avec Ethan Brady. Il est avec moi et je te conseille de bien le traiter. Ouais, bien sûr. On va choper Simpson à la mairie et on va foutre le bordel à la télé. On lui a préparé son discours d'adieu. Ah bon? Oh putain, ouais, on va venger Walker! Bon plan! Il va nous falloir des putains de durs à cuire pour prendre la mairie. Tu connais du monde? Oh bien sûr, j'en connais une bonne dizaine qui seraient prêts à traverser les murs pour corriger les Norcos. Bon, alors rassemble une équipe, on fournit les flingues. Autre chose, il nous faudrait un moyen d'entrer dans la mairie sans qu'on se fasse voir. Impossible d'employer la manière forte, on joue la carte de la furtivité. Écoute, recruter une équipe, ça me connaît. Je pourrais faire ça les yeux fermés.
Mais vous comptez vraiment entrer dans la mairie sans vous faire voir? Non. Attends, j'ai une idée. Mon pote Mickey Legolas, il a exploré les vieux tunnels de service. C'est quoi ce putain de nom, Mickey Legolas? Tout le monde a des godasses. Eh oh, c'est un type bien, ok? Bon, comme je te le disais, il adore traîner dans les tunnels, comme une araignée ou un truc de ce genre. Et il sait peut-être comment entrer dans la mairie. Ok, d'accord, je vais pas tarder. T'as intérêt à être prêt. Eh, attends! Oh putain! Je pensais vraiment qu'elle était morte. Je la préférais comme ça, d'ailleurs. Bon, écoute, la plupart des types dont on a besoin sont enfermés dans des iso-coffres. Récupère la liste des détenus pour les localiser. Je t'envoie l'emplacement sur ton téléphone. Bon, il faut que je retrouve Mickey. Il est notre seule chance de se retrouver dans la mairie. J'espère juste qu'il n'est pas parti se prendre une cuite. Donc nous, les loulous, on va s'arrêter là. Je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye!